Bonjour. Bonjour, merci pour la paix. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Nous venons à toi ce matin, premièrement pour demander pardon pour nos péchés. Nous nous nettoyons du sang de Jésus et nous recevons ce pardon par la foi. Dans 1 Jean 1, verset 9. Le Seigneur a dit, si nous demandons pardon, il est fidèle pour nous pardonner nos iniquités. Seigneur, nous recevons ce pardon. Seigneur, je demande la grâce pour parler comme ton oracle, pour guider tes enfants. Et je reçois cette grâce par la foi. Amen. Nous allons prier ce matin. Je suis en train de faire la ferme. Je vais vous présenter les animaux de la ferme, peut-être aujourd'hui. Il y a Gaston. Gaston, c'est le lapin. Anatole. On a Marguerite va venir bientôt. Marguerite, c'est la femme de Gaston. On n'a pas encore nommé toutes les femmes d'Anatole. Donc, on va prier, ok? Vous allez mettre vos sujets de prière ici. Si Anatole nous le permet, on va donc, en fonction de ce que l'esprit dirige. Ok? La prière, c'est la clé d'abord. Tout ce que tu fais, tu l'as fait par la foi. Même si tu prends un remède et tu lèches. Tu vois, non. Madame, ça c'est contre les poisons de nuit. Tu prends un remède et tu lèches. Tu mets ton intention dedans. Seigneur, tout poison qu'on a déposé sur moi, dans mon corps, comme je prends ça, je me nettoie. Toute nourriture, toute viande qu'on a déposée dans mon corps. Comme je lèche ceci comme ça, je me nettoie. Et je commande que ça sorte. Et j'annule les effets au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, vous devez faire avec la foi. Et vous savez, il fut une époque où je priais seulement. Quand j'ai compris que la prière doit venir avec une action, je ne prie plus simplement. Ça, c'est le remède contre la sorcellerie. Quand tu lèches, ne vous inquiétez pas, on va prier. Dieu a donné les écorces pour se guérir. Que ce soit l'écorce que tu utilises, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'eau,
ta prière. Seigneur, il y a les remèdes que tu as et montre là. Vous n'avez pas ça chez vous. Parfois, il vous dit prenez l'eau. L'eau là, c'est pour toi comme le point de contact. Seigneur, comme je prends l'eau aussi, je verse. Comme je fais telle chose, comme je prends le sel, je prends comme ça là, je verse. L'acte c'est que je fais, je verse là. Parce que le spirituel voit les actes. Ceux qui étaient chez moi ici hier, on a fait, j'ai aussi mis sur YouTube, je vous ai demandé de vous abonner sur YouTube. J'ai montré comment utiliser le laurier. Donc hier, tous ceux qui étaient ici pendant peut-être 6 heures de temps, on a fait donc de 13h peut-être à 20h, on a fait le rituel avec les lauriers. Marie, Odongo, tu as bien dit. Merci pour ta parole, même comme tu venais présenter ton maître. Éternel, je te remercie pour toute personne qui est connectée et toute personne qui va se connecter. Père, Edith, voilà, les poisons de nuit. Seigneur, ils se sont réveillés, ils ne sont pas tombés sur cette vidéo par hasard. Je viens réveiller le guerrier de prière, la guerrière de prière qui se trouve dans chacun de tes enfants ici. Je me mets en présence du Seigneur et je l'adore. Si vous n'êtes pas catholique, ne faites pas signe de croix. Seigneur, je viens comme ça te présenter ce que nous allons faire ici. Écoutez, il y en a qui me disent, je ne connais pas faire le chapelet. Ça, c'est un objet physique qui vient représenter ta demande spirituelle. Même si tu fais, tu alignes comme ça, là, tu fais, tu inverses même les trucs. Écoutez, mets la puissance dans ce que tu demandes. Que Seigneur, comme je vais dire le chapelet ici, Chantarababa, Sitaraba, Chanta, je viens bouger. Tout démon qui était assis sur mon business. Les papiers de Dulciné qui étaient bloqués. Le voyage du petit frère d'Elodie. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Le petit frère d'Edwige Sandy, nous prions pour ta délivrance. Nous prions pour le travail. Lucrèce Eugénie, que tu puisses mettre sur pied ton projet de vente de produits spirituels. Lucas, tu as très peur. Tu as appelé, mais tu as très peur. Très peur. Nous prions pour la délivrance de Janine. Éternel des armées. Pour le déblocage de la boutique de Yacobo. Pour que Mireille achète un terrain. Que le dossier de voyage de Gracia Marcella, soit débloqué. Ne vous inquiétez pas pour ma fatigue. Votre fille dort parce que vous dormez. Parce que quand l'esprit vous réveille, vous dit fais ça. Il dit, oh, j'ai trop travaillé. Seigneur, nous prions pour les papiers de voyage de Shalom. Pour la reconnaissance du diplôme de Lucrèce. Grâce veut une élévation au boulot, Seigneur. Nous venons débloquer les papiers de Nicole. Joignant. Déblocage des papiers de Séraphine. Pour que Maureen soit la bonne femme. Pas qu'elle ait un bon mari, qu'elle même soit une bonne femme. Éternel des armées, nous venons de ouvrir les papiers de Samantha. Les papiers de Henriette, sa fille. Nous venons pour fortifier Vicky. Élévation de grâce. Papa, que la boutique de Chantal puisse marcher. Que Harley Choupi ou Arletty obtienne son visa. Pour la prospérité du visa, pour la prospérité de Odette.
l'Éternel des armées. Je viens prier comme ça. Ange Michael, je demande ton assistance. Éternel des armées. Venez ici là, tout le monde, venez pour la prière. Dépêchez. Voilà. Patience. Ne criez pas, s'il vous plaît. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 1, versets 8 et 9. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Seigneur, j'étends ma main maintenant sur toute personne qui vient de déposer sa requête ici. Et je mets tes paroles dans leur bouche. J'enlève la crainte de vos esprits au nom puissant de Jésus. Je viens vous débloquer de toute prison dans laquelle on vous a enfermé. Tous ceux qui sont couchés dans leur lit, tout ce que vous pouvez faire, c'est cliquer seulement sur le direct ici. Éternel des armées, ange Michael, toi qui combats nos combats, que ta main puissante, Seigneur, soit sur chacune de ces personnes. Je viens enlever l'étreinte de tous ces pans bois qui ne vous ont pas laissé dormir la nuit. Je commande à ces entités de vous laisser partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Yahweh, je libère les foyers qui sont, il y en a parmi vous, vous n'avez même pas pu dormir. Votre mari, vous faites chambre séparée depuis des semaines. Je viens maintenant vous libérer au nom puissant de Jésus. Je déclare la paix dans votre maison. Prenez une bouteille d'eau. Vous priez sur cette eau-là. Vous versez ça au centre de votre maison. Papa Yahweh, nous allons prier maintenant. Et Père, par cette prière, nous déclarons la délivrance de toute personne qui va tomber sur cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles et les siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et des terres, et en Jésus Christ, son Fils, unique notre Seigneur, qui a été crucifié, est mort, est enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts. On te cherche, est dans ce droit de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, universelle, protestante, toutes ces églises-là, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, je te remercie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, pour cette dizaine que nous allons commencer, je viens te remettre chaque famille qui est représentée par chaque personne ici. Je déclare que vous êtes la première pièce de la chaîne de votre famille. À travers vous, je déclare la délivrance sur chaque membre de votre famille. Je déclare que la saison est arrivée, le temps est arrivé. Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur qui vous a formé dans le ventre de votre mère, qui vous connaît depuis avant que vous ne soyez né. Je déclare maintenant que vous êtes consacré. Je déclare que vous êtes établi prophète sur les nations au nom puissant de Jésus. Je déclare aussi que votre pouvoir est activé, votre parole est activée. Tout endroit où vous avez opprimé, tout endroit où vous n'arriviez pas à parler, je déclare que votre prière a de la puissance. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je déclare que vos paroles maintenant ont de l'efficacité au nom de Jésus-Christ. Amen. Je restaure votre puissance. Je restaure votre vision, même ceux qui ont le don de la vision dans le spirituel. Je viens maintenant déclarer que tout ce que vous allez déclarer sur votre famille, ça prend effet aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te dis merci. Pour cette dizaine que nous allons faire, je viens demander le mariage de toutes les femmes qui sont ici, qui ne sont pas mariées. Tous les hommes qui, à mon écoute, vous n'êtes pas mariés. Je viens demander votre mariage. Que l'ange qui distribue, l'ange de l'amour, qui vienne toucher votre cœur, qui touche le cœur de votre mari. Si vous êtes déjà marié et vous n'avez pas la paix dans le foyer, je viens maintenant mettre la paix. Que l'ange touche le cœur, votre cœur. Tous les mariages qu'on avait gâtés là, on a fait votre mari, ne vous aime plus, il vous a chassé de la maison. Pour cette dizaine, je viens maintenant enlever tout homme fort, toute femme forte, tout esprit de Jézabel qui est entré dans vos maisons, qui fait que vous êtes séparés de votre mari depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez la faveur de votre mari à une époque. Et aujourd'hui, là, il vous a abandonné, il vous a jeté avec les enfants. Il ne veut plus entendre parler de vous. Je viens demander la restauration. Mariage et restauration des mariages. Voilà. Tiens, tu vas faire la dizaine si. Commence avec notre Père. Après, tu fais, je vous salue Marie. Parle fort, comme si on t'entend. Notre Père qui nous soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, donne-moi un peu. Merci. Seigneur, nous venons comme ça te confier toute famille où il y a la mésentente. Je sais que beaucoup d'entre vous vous entendez pas avec vos frères et sœurs. Il y en a parmi vous, vous ne parlez plus à vos enfants depuis des mois. Seigneur, je viens comme ça. Tu as dit dans ta parole que le temps va arriver où tu vas tourner le cœur des parents vers leurs enfants. Et le cœur des enfants, que ce temps est arrivé. Merci d'avoir patienté. Seigneur, nous venons te confier toutes les familles là où il n'y a pas d'entente. Il y en a parmi vous, vos frères sont partis en aventure depuis même 5 ans. Vous ne savez pas là où ils sont. Il y en a parmi vous, c'est comme ton frère préféré là qui est parti. Donc Seigneur, je viens prier pour l'entente dans les familles. Si ce sont les mères qui mettent les mésententes dans les familles, si ce sont vos mères qui mettent les mères ou pères, s'il y a le mauvais élément dans votre famille, même si c'est un de vos frères qui fait la mésentente, nous allons exposer cet esprit de division. Et nous allons commander la restauration de la paix dans votre famille. La paix avec vos enfants. La paix même dans votre lieu de service. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Doria. Notre nom soit sanctifié. Que ton nom vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous prions pour Rosine, pour qu'elle traverse. Nous venons chasser tout esprit de manque. Je déclare maintenant que toute mère qui s'était mise contre ta vie, pour que tu n'avances pas, que tu ne traverses pas, quel que soit le pays là où tu es bloqué, je viens te débloquer maintenant, Rosine, au nom puissant de Jésus.
Je déclare que chacun d'entre vous va opérer dans son don à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que vous ne serez plus frustrés. J'enlève la frustration sur vous au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'on va vous voir pour ce que vous valez au nom de Jésus-Christ. J'enlève le contrôle, tout contrôle à distance sur vous. Toute personne qui vous contrôlait, toute tante, tout oncle, tout beau-père, belle-mère, vous, on vous prend en mariage dans une famille, on vous attache, on prend votre étoile. Je viens vous défaire. Que depuis que vous êtes marié, là, votre vie n'avance pas. Je commande qu'on vous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 105. La dernière dizaine qu'on va faire ici. Ça, c'est la dizaine de libération. Écoutez, vous allez commencer vos business aujourd'hui. Vous allez commencer. Je vous dis que je vous libère aujourd'hui. Voilà. 5 personnes parmi vous. Si vous écoutez ceci, si vous avez un business, je vais commencer à investir dans le business. Vous me contactez. Vous me comprenez? Vous me contactez, vous me dites votre projet. Écoutez-moi bien. Vous me dites votre projet. Je vais vous suivre et je vais vous coacher. Je vais investir dans votre business. Et je vais vous suivre. Je vais choisir 5 personnes. Vous me comprenez, non? Voilà. En commençant par toi. Ok. Bon, psaume 105. Je déclare que le temps est arrivé. La Bible dit, psaume 105, verset 18, on serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Je déclare que votre temps est arrivé et c'est aujourd'hui. Tout blocage qu'on avait mis sur votre vie. Dans votre famille, on a déclaré que tu ne vas pas avancer. On se moque de toi chaque jour. Tu demandes tous les 500 000 aux gens. 500 000, c'est tout toi qui demandes. Les 500 euros, 10 euros. Je déclare que c'est la fin aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Après ça, là, vous allez faire votre lavage au sel. Tu peux mettre tes pieds dans l'eau. Tu mets le sel dedans. Après, tu prends l'huile d'olive. Tu essuies tes pieds. Tu dis que comme je joins mes pieds là, c'est fini. Je sors de toute servitude. Donc, je vous donne ce passage. Psaume 105, verset 18. Je détache les liens sur vos pieds. Je viens maintenant desserrer tout fer qu'on avait mis sur vos pieds. Je viens desserrer maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la parole de l'Éternel vous a éprouvé et que vous avez passé le test. Je commande qu'on fasse ôter les liens qui vous serraient. Et je vous établis maintenant Seigneur, gouverneur, sur tous les biens qui sont dans la maison de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne fais pas la charité. Si une femme a un business, je l'aide. Tu viens, tu veux pleurer, je vais te gifler, je vais te chasser chez moi. Vous me comprenez, non? Donc, si quelqu'un fait, je te bloque à l'instant. Voilà. Donc, c'est toi qui vas faire l'autre dizaine. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grâce à ton Père, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Éternel des armées, nous te disons merci. Je viens contre toute lourdeur spirituelle, Seigneur. Je viens contre tout blocage, tout voile qu'on avait mis sur vos yeux, qui faisait que vous ne vous voyez même pas en train de sortir de votre trou. Je viens maintenant enlever. Je déclare que vous n'allez pas vous décourager. Je viens contre le découragement dans votre vie. Je déclare que c'est la fin de tout découragement au nom puissant de Jésus. Je viens chasser toute mauvaise langue. Que ce soit les amis, que ce soit le mari même, parce que certains de vos maris vont vous décourager. Je viens enlever toute mauvaise langue qui vous décourage. Toute mauvaise langue qui vient quand tu veux faire ton tour, on dit que ah, ça ne va pas marcher. Je viens enlever les personnes-là de votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous devenez maintenant des tycoons. Les tycoons, ce sont les personnes financièrement, tu es tellement lourd. Je mets cette onction sur chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez bientôt financer aussi d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les cas que vous allez acheter vos terrains cette année. Vous allez commencer vos constructions cette année au nom puissant de Jésus. Amen. J'enlève les blocages familiaux. Que votre mère morte, on n'a même pas vu là où elle, même un terrain n'a pas laissé, même qu'elle n'a pas laissé. J'enlève cette malédiction de votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens bénir vos enfants. Je bénis vos enfants. Vos enfants vous achetez les voitures. Vos enfants vous achetez les terrains. Ils vont construire pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'enlève le manque de vision de vos yeux. Après ce direct, je déclare que vous asseyez, vous tracez le plan de votre business. J'appelle les finances des quatre coins de la terre. J'appelle les finances dont vous avez besoin. Je déclare que le mot insuffisant ne fait plus partie de votre vie au nom puissant de Jésus. Le mot petit ne fait plus partie au nom puissant de Jésus. Le mot blocage, le mot problème, j'enlève ces mots de votre vocabulaire. Que ce soit à Paris ou à Abidjan, quel que soit l'endroit où votre business est implanté, prenez de l'eau après ce direct, vous parlez sur cette eau. Vous versez au sol, vous déclarez que, comme elle a parlé, je me connecte à l'onction qui est à Douala. Et je déclare que l'onction la parle maintenant dans mon business, ici, vous appelez le nom de votre ville. Je déclare que vous êtes bénis dans votre ville. Quand vous entrez, quand vous sortez, au nom puissant de Jésus. Je déclare selon Deutéronome chapitre 28, que vous êtes obéissant à la voix de l'Éternel. Je déclare que l'esprit de tétuité sort de votre corps. Vous vous disciplinez pour faire votre lavage. Vous vous disciplinez pour parler sur votre vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que vous êtes bénis dans la ville où vous êtes. Vous êtes bénis dans les champs. Tout business que vous faites, vos enfants sont bénis. Vos petits-enfants sont bénis. Le fruit de votre sol, le fruit de votre troupeau est béni. Vos comptes bancaires sont bénis. Je déclare que l'endroit où vous gardez votre marchandise est béni. Votre compte bancaire, votre compte d'épargne, l'argent de votre tontine est béni au nom puissant de Jésus. Vous êtes béni quand vous entrez et vous êtes béni quand vous sortez. Je déclare maintenant que vous avez la victoire sur tout ennemi qui se lève contre vous. Il sort contre vous par un chemin. Toute personne qui est sortie contre vous par un chemin, je déclare qu'il s'enfuit par ce chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que je donne à la bénédiction d'être avec vous dans vos comptes bancaires, votre argent que vous avez gardé à la maison, dans l'argent que vous avez investi sur vos business. Je déclare que vous n'avez plus fait un investissement, ça ne va plus marcher. Vous n'allez plus faire un investissement, vous allez perdre de l'argent au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens maintenant multiplier vos revenus quotidiens par 100 au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que les idées que vous êtes en train de recevoir, vous rejetez depuis là. Aujourd'hui, elles prennent forme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que vous êtes pour le Seigneur un peuple saint comme il a juré. Vous observez toutes les choses que le Seigneur vous dit de faire. Tous les commandements que vous recevez au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant vous fortifier. Je déclare que vous n'avez plus la paresse au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de paresse spirituelle. Parfois quelqu'un te dit que fais ça, tu veux me donner, je vends. Je vais te donner la marchandise, je vais te donner l'argent. Tu as la paresse d'aller te livrer la marchandise. Je chasse toute paresse spirituelle sur vous au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que je vous comble de bien. Je vous multiplie.
Je multiplie vos enfants. Je multiplie maintenant vos business au nom puissant de Jésus. Je vous ouvre le bon trésor du ciel. J'envoie maintenant la pluie. Je déclare que c'est le temps de votre pluie au nom puissant de Jésus. Vous allez prêter à beaucoup de nations. Et quand vous prêtez à quelqu'un, la personne vous remet. Il vous remet avec les intérêts. Les intérêts volontaires. Ce n'est même pas vous qui avez demandé au nom puissant de Jésus. Toute personne qui vous doit, je déclare que ces personnes vous remboursent dans les 24 heures au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant déclarer sur votre tête que vous serez toujours la tête, vous ne serez jamais la queue au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous serez toujours en haut, vous ne serez jamais en bas. Même quand vous faites l'amour au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que je fais de vous maintenant une nation puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas vous détourner ni à gauche ni à droite de toutes les bénédictions que l'Éternel vous donne au nom puissant de Jésus. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui vit et règne. Lui qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et qui règne. Et je déclare que tant que Jésus est assis là-bas, personne ne va plus vous dominer au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Je mets l'esprit d'excellence sur vous aujourd'hui. Tout ce que vous allez toucher, vous allez commencer, vous allez finir. Je déclare qu'on ne va pas se plaindre de vous que vous n'avez pas l'esprit d'excellence au nom de Jésus. Tout ce que vous allez toucher, même vos clients, ils seront satisfaits au nom puissant de Jésus. Je mets le sourire sur vous. Je viens chasser tout esprit de tristesse. Tout voile qu'on a mis sur vous, que vous avez le visage froissé. Je chasse ces voiles maléfiques au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Moi, je reçois mon business multiplié par 100 aujourd'hui. Je recevais pour vous au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà. Ce que vous avez reçu là, ça va se manifester en argent. Écoutez, moi, je ne parle qu'en argent. Hein. Je parle en argent. Il me parle, il m'aime, non, il est gentil. Oh, non, ils m'ont pas tourné. Non, écoutez, l'argent. L'argent répond à tous les mots. Tu es en prison, tu as l'argent, tu sors. Oh, quelqu'un m'a dit qu'on perd 30 000 pour sortir par jour. Ça veut dire que si tu as 30 000 multiplié par 30, on écrit sur ton nom que tu es en prison alors que tu es dehors. Recevez l'argent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Plus jamais de sécheresse dans votre famille. Voilà. Si tu es nouveau sur ma page, tu viens avec l'esprit de pauvreté ou avec ton qu'est-ce qu'il dit là. T'en prie, avant que je ne te bloque pas seul. Voilà. Je suis venu pour faire les milliardaires. Les milliardaires en euros. Vous croyez que ce n'est pas possible, hein? On va souvent partir à Dubaï ou n'importe où pour faire d'autres. On va même créer les villes. On va donner un nouveau nom aux villes. On va créer les villes. Les gens qu'on parle comme ça, là, il y a 50 jets privés dans l'air. Écoutez, il y a l'espace dans l'air. Hein? Il y a l'espace dans l'air. Quand vous courez là, l'esprit de manque là. Il y a l'espace dans l'air. Je ne crois pas qu'il y a un embouteillage dans les airs. Voilà, vous réfléchissez, votre tête est bloquée. On va créer les villes. Oui. On dit ville du bonheur. On arrive là-bas, on va faire les rues avec l'or là. Écoutez, il y a des choses dans la Bible que ça va se réaliser dans notre temps. Moi, je vais voir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais voir. Voilà. Vous avez l'esprit de pauvreté là. Je brise tout mauvais sort de pauvreté de votre esprit au nom puissant de Jésus. Et c'est la décision. Tu te décides. Je vais tout me coiffer. Ne suivez pas ma passe là, c'est des esprits. C'est pas, ne m'imitez pas. Coiffez-vous. Que je ne manque plus le crédit à mon téléphone. C'est quoi le truc que tu te tournes, tu manques. Tu te tournes, tu manques. Tu veux me préparer quelque chose chez toi, tu manques. C'est quoi ça? Faites les choses maintenant par la foi. Tu remplis ton frigo, tu ouvres le frigo, tu regardes que oui. On entre chez nous, on croit qu'on est en bain. Voilà. Je vous ordonne de prospérer. Hein. Écoutez, je ne vous demande pas. Si vous ne voulez pas vous quitter, donc même me viser, ne passez pas ici chez moi. Voilà. Bonne journée à vous tous. Vous voyez, on a vaincu, non? On a fait notre direction à la fin, non? Voilà. Ils ne peuvent rien contre vous. Vous n'avez pas encore compris ça. Pour les consultations, hein. Je vois que la consultation, c'est même l'égoïsme. Parce que quand je consulte, c'est seulement une personne qui me parle. C'est pour ça que vous avez vu, c'est difficile de faire la consultation à distance. Les lavages ont commencé tout à l'heure. Je commence les lavages à distance. Il y a le numéro là-bas, 693 50 22 66. Envoyez votre photo, ce que vous voulez. Et vous mettez votre foi sur ça. Ne blague pas. On a débloqué vos papiers là, votre mariage, vos voitures. Il y a l'espace devant chez moi. Donc si vous venez vous garer tout ceci là, je crois qu'il y aura tout l'espace. Donc arrêtez avec l'esprit de petitesse là. Ok. Voilà. Bonne journée à vous. Le numéro c'est le 693 50 22 66. Donc aujourd'hui jusqu'à 12h30, je ne fais que les lavages.
Même si vous avez pris la consultation, convertissez votre consultation en lavage. Si vous avez trop attendu. Voilà. Tout ce que vous allez toucher aujourd'hui, ça va prospérer, ça va fleurir. Écoutez, Yuka, tu sais que qui est même à main, ça va marcher. Il est waka. Bonne journée à vous. Allez pointer aujourd'hui. Tu te lèves pour ça, tu vas vendre aujourd'hui, car tu vas m'envoyer la dîme même de 500 000. Bonne journée à vous.